Bon, l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale. On va quand même parler de l'OM après, mais pour l'instant je préfère parler de ce sujet-là en premier. Donc ce sujet-là, je vais annoncer ma pause sur YouTube. Ouais. Vous rêvez pas, je vais annoncer ma pause sur YouTube. Alors ce sera pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Non, il n'y a rien, c'est juste que je vais faire une pause, il n'y a rien de grave. Vous inquiétez pas, c'est moi. Je décide de faire une pause parce que après, ça va être compliqué pour continuer les vidéos. Donc, je vais faire une pause sur YouTube, mais écoutez bien parce que ce passage est très important. Parce qu'il ne faut pas que vous vous disiez, c'est bon, c'est ce mois-ci, non. C'est au mois d'août. Donc, tout le mois de juillet, je suis encore là, je fais les vidéos et tout. Mais ce sera au mois d'août que je ferai une pause. Donc ce sera 2 semaines. Donc ça va passer vite, ne vous inquiétez pas. Et ouais, donc ce mois-là, je suis encore là. Je ferai encore des vidéos et tout. Donc voilà, c'était pour vous prévenir que si vous n'avez pas de vidéos au mois d'août, et bah, c'était pour ça. Donc voilà, c'était pour prévenir, là ce mois-ci je suis encore là, je fais encore des vidéos. Donc voilà, ça c'était le point important de la chaîne. Maintenant on va parler un peu de l'OM, donc je pense que vous le savez tous, hein, maintenant Guendouzi est arrivé à Marseille. Donc très content de ce recrutement, comme j'ai dit hier. Et aussi, une autre piste qui me plaît beaucoup, c'est William Saliba, le défenseur de Nice. Donc, il pourrait rejoindre l'OM prochainement. Donc, ça aussi, c'est une bonne piste, puisque Saliba, c'est plutôt un gros gabarit que j'aime beaucoup. Il a été prêté par, si je dis pas de bêtises, je sais plus, c'était Leicester City, ouais, voilà, ça, il a été prêté par Leicester City à l'OGC Nice. Donc, pour faire un peu le bilan de William Saliba, avec ses débuts à Nice, ça a été des débuts compliqués. Il fallait qu'il s'intègre dans le championnat, il a réussi, maintenant je le trouve hyper bon. C'est un défenseur que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, là ce mercato il est loin d'être fini. Il ferme ses portes le 31 août à minuit. Et la Ligue 1 Uber Eats reprend ses droits le 8 août 2021. Donc ça. Ou alors peut-être. Ça va être vraiment dur. Parce que peut-être que quand la Ligue 1 va reprendre, je pourrais vous écrire genre. Voilà. Là, ouais, l'équipe et tout, ils vous font des riffs. Je vais voir ça. Et ouais, pour revenir à William Saliba, c'est une bonne recrue. Enfin, il n'a pas signé pour l'instant, mais si ça se fait, ça serait vraiment cool. Je serais super content. Parce que Saliba, c'est un élément important. Donc, voilà. Et puis voilà. Donc on va terminer là-dessus. Que je regarde. Tac, tac. On a fait le tour. On a parlé de la chaîne. On a parlé du mercato. Normalement, c'est bon. Donc si vous avez aimé la vidéo, se mettre un pouce bleu. À vous abonner, activer la cloche, partager, commenter sur mon vidéo.